Guillaume Meurice, oui. Qu'est-ce que vous êtes allé faire aujourd'hui ? Eh bien, on va s'amuser un petit peu. Oui, parce que je suis allé au grand salon des parcs d'attractions qui a lieu Porte de Versailles. Et ouais, formidable. Alors, il y a plein de choses, formidable. Alors, il y a Disneyland, évidemment, le parc de Walt Disney, hein, un brave monsieur qui n'a jamais caché ses sympathies avec les nazis. Alors, faut-il boycotter Picsou chez les nudistes ? Ça, il faut demander à BHL. Hein, c'est lui qui décide si on a le droit d'être antisémite ou pas dans ce pays, je vous rappelle. Alors, il y a également le Puy du Fou, formidable. Hein, un formidable parc qui retrace ce qui se passe à l'intérieur de la tête de Clara Dupont-Moretti. Non. Je vous rappelle que si vous voulez draguer Clara, il vous faut beaucoup de mailles, mais également des cottes de mailles. Et il y a aussi évidemment des forains, beaucoup de forains, facilement reconnaissables, hein, puisqu'ils parlent comme ça. Ouais, c'est super. Allez, on lève les bras, c'est un maximum de sensations. Plein de choses pour les professionnels de l'amusement, mais aussi pour les particuliers, dont ce mini-golf de fabrication belge. Oh. Et c'est là que ça devient intéressant. Ah, mini-golf un petit peu particulier. Le mini-golf d'intérieur. Ça se joue en cadre complètement obscur, éclairé par des lumières fluo. Et donc tout le parcours devient fluorescent, les balles. On est déplacé dans un monde alternatif sur les thématiques diverses que choisissent nos clients, de la jungle, ou un monde des pirates, ou un monde jurassique. Ah, il faut quand même un peu de place non, dans son appartement. En réalité, oui, il faut quand même 400 mètres carrés. Bon, ça va. Ah, si vous habitez Paris, vu que le mètre carré est à 10 000 boules, vous faites le calcul. Voilà, c'est une petite somme, mais avec ça, vous pouvez jouer au mini-golf d'intérieur phosphorescent dans la nuit. Et c'est pas mal. Il faut faire des choix dans la vie. Moi, j'avais dit, faut savoir ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, c'est s'amuser avec des jeux de simulation à l'arme de guerre. Des infractis, des répliques. C'est les répliques parfaites, non? Oui, il y a un M4 qui est tout à fait le même poids. Voilà, avec un recul, une simulation de recul. Un gamin de 6 ans, il peut manier une arme comme ça ? Disons que ça marche beaucoup mieux aux États-Unis qu'en France. Ah bah tu m'étonnes. Non mais c'est vrai, c'est un peu le pays. C'est vrai qu'aux États-Unis, hein, je rappelle que dans les écoles, ils ont peur de manger du fromage français parce que c'est dangereux, voilà. Mais les fusils d'assaut, ça passe. Hein, ils ne mangent pas de camembert, mais ils bouffent du pruneau, si on veut résumer. Alors, continuons quand même avec cette belle invention. Oui, est-ce que ça ne permet pas de s'entraîner aux tueries de masse ? Oui. Ouais. S'ils veulent, ouais, ils peuvent venir jouer, mais on ne le saura jamais. Hein. Mais, ouais. C'est pas de tout notre but, c'est ludique. C'est ludique, mais on ne saura pas si ça peut avoir des effets négatifs. Les enfants ont toujours joué aux Cowboys and Indians. Hein, oui, non, mais oui, mais je sens une petite progression quand même. Hein. On est passé très vite de l'arc en bois au M16. Hein, voilà, ça va se finir. Non, mais voilà, ça va se finir en biberon lance-roquette, cette histoire. Mais c'est ça aussi qui fait la fierté de notre civilisation. L'outil, hein, c'est la fierté. Et tout comme les parcs avec des animaux dedans, ça, c'est notre fierté. On sait dominer les animaux. Alors, quand je dis les animaux, je ne parle pas des pigeons qui font la queue 8 heures pour une attraction de 20 secondes. Je parle des vrais animaux, par exemple un zoo. Oui, nous avons travaillé avec les zoos et les parcs, pas avec les animaux beaucoup. Bien, nous avons penguins, nous avons lions, zèbres, nous avons... Vous avez tous ces animaux-là? Oui, c'est ça. Et est-ce que ce sont des animaux qui aiment vivre enfermés? I don't understand the question. Ah, damned, ça tombe very bad. My English is vraiment so pourri. But il me semblait quand même qu'il speakait very plutôt not bad French, but after my question, beaucoup moins good. C'est dommage. Bon, alors, c'est pas grave. Parlons des animaux dans les cirques à ce moment-là, parce que bon, bah, tout fout le camp. Hein. Parce qu'ils veulent plus d'animaux dans les cirques et tout ça, ils les interdisent maintenant. Ça aussi, ça devient un gros problème. Parce qu'un cirque sans bête, c'est plus un cirque. Alors pourquoi c'est plus un cirque? Et moi, quand je joue au cirque, c'est pour voir les spectacles, pour voir les éléphants, les spectacles, les beaux spectacles. Pas le clown, il m'intéresse pas. Ah là 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 là, la clownophobie. Ou plutôt, ah là 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 là, les enfants, la clownophobie. Pardon, je débute en clown. Mais c'est vrai que ce qu'on veut quand on va voir un cirque, c'est des éléphants. Et même les éléphants, ils veulent ça. Pour eux, c'est une réussite sociale. Bah, bien sûr, monter sur un plot sous un chapiteau du parking Leroy Merlin de Meudon, même la famille éléphant, elle est hyper fière. Bah, sa mère, elle dit à ses potes, oui, bah, mon fils Dumbo, bah, il a fait une petite carrière, là, il est en tournée en ce moment. Il a son statut d'intermittent fastoche, l'éléphant. Hein, et en disant ça, je crois pas que je me trompe. Moi je suis obligé de faire ça pour l'avoir, ouais. Mon statut d'intermittent, ouais. Hein, mais l'éléphant, il a du bol. Pareil avec les orques et les dauphins dans les parcs à cétacés, hein, n'est-ce pas monsieur? Les gens qui s'en occupent depuis même 10 ans ou plus sont quand même des gens passionnés. Il y a des vétérinaires derrière ça. Le bien-être animalier est quand même pris en compte. Est-ce que la place d'un dauphin c'est vraiment dans une piscine? Je pense qu'effectivement ce type de parc peut exister dans les endroits où
le parc n'est juste un endroit où on les met en avant, mais n'est pas leur lieu d'habitation clos. Ouais, voilà. Qu'ils habitent dans la mer et qu'ils viennent bosser le matin et qu'ils repartent le soir. Oui, tout à fait. Non, mais c'est un sujet délicat. Ah ouais, c'est délicat. Ouais, c'est pas mal, non, c'est pas mal c'est mais pas mal. C'est délicat parce qu'il y aurait des histoires avec la CGT Dauphin. On sait, non, mais ça verra de faire chier, on sait comment ça finit. Non, le mieux, ça reste de boycotter. Hein. Je veux dire, foutons en l'air ces vieilles habitudes mortifères et passons à autre chose. Ou plutôt, attention pour un nouveau départ. Guillaume Meurice, merci, c'est tout faire. Il est 17h42.